qui est intéressant dans le guide, c'est qu'on va mettre de l'avant le meilleur de Philadelphie. Ça va être par thématique. Donc, ça peut être en famille, qu'est-ce qui est intéressant à aller voir avec les enfants, le côté plus historique ou le côté architectural. Ensuite, il y a 10 circuits différents qui sont présentés, que ce soit dans le vieux quartier historique où c'est vraiment le berceau là, des États-Unis, donc c'est un incontournable, ou des quartiers plus trendy ou des quartiers plus hipsters. Et finalement, un côté plus pratique là, où on va voir qu'est-ce qui est question hôtel au niveau de l'argent, comment s'y rendre. On a vraiment sorti de l'avant les boutiques, les restaurants, etc., qui sont des incontournables, mais aussi en fonction des différents budgets. Et on a même été chercher un pictogramme pour les places à porter votre vin. Donc ça, c'est un plus qui est super intéressant pour les différentes bourses, ceux qui veulent plus personnaliser l'expérience. Puis sinon, bien, c'est à noter que c'est un des seuls guides en français qui existe présentement. Mes coups de cœur de Philadelphie, je dirais que l'Art After Five qui se passe au Musée d'art de Philadelphie. Donc, c'est les vendredis, c'est le 5 à 7. Tu peux aller prendre un verre de vin et après aller voir une exposition, revenir tranquillement. C'est vraiment intégrer l'art à même la vie quotidienne, là, le 5 à 7 du vendredi soir. Donc, ça, j'adore ça. Sinon, il y a le Magic Garden, qui est une espèce de jardin alambiqué. C'est vraiment particulier, très hétéroclite, où le créateur, c'est un mosaïste qui est allé chercher à gauche, à droite, récupérer des roues de vélo, de la mosaïque, du verre brisé, etc. Puis on se promène là-dedans. C'est un univers assez particulier là, à découvrir. Philadelphie, c'est vraiment une ville à visiter. Il y a de quoi pour tous, là, vraiment. Là, que ce soit voyageur, couple, pour un court week-end ou 3-4 jours, là, vraiment, là, il y a amplement à découvrir à Philadelphie.